Langsam, 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 langsam. En dépit de toute son expérience, Herbert ne s'attendait pas à ce que le scandalopétra soit si différent des autres disciplines d'apnée. Pourtant, en venant à Rhodes, Herbert caresse l'idée d'établir un nouveau record du monde. Mais avec 5 jours d'entraînement, battre le record des 100 mètres dans cette discipline tient du quasi-miracle. Le championnat de Rhodes est particulièrement convivial, avec ses apnéistes venus des quatre coins du monde. Des athlètes de haut niveau se mêlent aux amateurs pour tenter leur chance, avec le même équipement que les anciens pêcheurs d'éponges grecques. Pas de combinaison, pas de masque, juste un pince-nez et un slip de bain. La dernière plongée est aussi la plus attendue. Herbert va tenter de dépasser les 100 mètres et d'ajouter ainsi un nouveau record à son palmarès. Κώστα, πέρα, πέρα από το αυτό, πέρα, πέρα. Πώς θα το πάρει αυτό, κάτω. Κάτω. One, two, three, four, five. Fantastico. Questo è un mostro, ragazzi, lo dico io. 107. 107. 107. Bravo, Marco, sono di Marco, 107. Sono di Marco, sono di Marco. Sono di Marco, sono di Marco. No. La clé de cette adaptation à la plongée, c'est une circulation sanguine parfaitement maîtrisée. Certains organes, comme le cerveau, le cœur ou les poumons, ont besoin d'oxygène à tout moment. D'autres parties du corps peuvent s'en passer pendant un certain temps. Donc, quand un mammifère marin commence à plonger, il dirige le flux sanguin uniquement vers les organes qui en ont le plus besoin en réduisant le flux des autres parties.
Cette gestion de l'oxygène et de la circulation sanguine entraîne une chute impressionnante du rythme cardiaque. C'est ce qu'on appelle le dive-in reflex, ou réflexe d'apnée. Mais c'est bien plus qu'un réflexe. C'est un lien coordonné entre comportement et physiologie, en réponse à cette fermeture d'une grande partie du système circulatoire. Grâce à cette gestion, la plongée en apnée ne demande pas d'efforts exceptionnels aux mammifères marins. C'est leur manière de vivre. Ils le font avec la même base physiologique que nous, mais juste un peu mieux que nous. Les gens se sentent mal à l'aise avec l'idée de retenir leur respiration pendant une longue durée. Mais c'est simplement parce qu'ils ne s'exercent pas. Nous possédons tous cette faculté. C'est quelque chose qui a besoin d'être retrouvé plutôt que d'être appris. Ce qui est fascinant, une fois que vous vous y mettez, c'est que vous ressentez quelque chose de naturel. Le corps réagit avec une telle puissance que vous vous demandez « Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ?»